Eh bien, salut tout le monde, c'est Predator 93 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Alors la dernière fois, on a vu plein de cinématiques avant d'arriver à Boralus avec une reine qui avait trahi son peuple, je crois, enfin. Pas une reine, une princesse, je sais plus quoi, enfin je sais plus quoi de l'histoire, mais on s'en fiche. Mais en tout cas, on avait surtout pris le bateau pour aller à Boralus. Après, on est arrivé dans une prison. Donc, on était ressorti, bien sûr. Donc là, on avait pris une petite barque et on était enfin arrivé à Boralus après une cinématique encore. Donc voilà, donc ça a duré quand même assez longtemps, 32 minutes je crois. Bon, alors, donc on va continuer les quêtes, c'est le Sanctum des Sages. Parler à un mage de la 7ème Légion au Sanctum des Sages, ok. Au revoir. Pas de soucis. Et lui, qu'est-ce qu'il me demande de Quelque faire? chose à signaler? Parler à Cyrus La Falaise pour obtenir la carte du bac. Ok, Montrera le pas de chemin. soucis là-dessus, c'est bon. Vous allez être la cible du sort suivant. Bon, d'accord. Bons vents et marées. Et de quel sort j'ai été la cible là en fait? Ah, peut-être que je Bien le parle. bonjour. Ah non, même pas. Restez alerte. Je pense que j'ai été d'un Vous sort, mais. suivez. C'est bon, Gilnéas. Bon, bah. Pourtant, j'ai pas. Pas assez que bruit. Je peux vous aider? Servez avec Non? honneur. Je crois qu'ils disent que je suis la cible La d'un pagaille sort. démange toujours mes vieux os. Ouais, t'es vieux oiseau, mais j'ai l'air à la faire, Patrick t'es et vieux oiseau. Brandoni, faites confiance à votre instinct. Vous savez quoi, on va placer un repère ici, comme ça on pourra faire aussi la deuxième quête. Et voilà. Donc on va quitter la capitainerie. Voilà. Ouf, c'est la gamme mort là. Donc elle a brille, donc Salut, c'est Bisky. pas... Bon temps. Bon voilà, ah non c'était pour la quête, donc j'en étais sûr. Je crois que c'était pour la quête. Donc en attendant j'en profite un peu pour vous faire visiter Boralus. Donc là-bas, c'est le maître de vol là-bas, là. Comme je vous avais expliqué, si on veut, si on a découvert d'autres trajets à travers notre aventure, on pourra y aller presque direct en fait. Grâce à un griffon. Il nous prête en payant une modique somme. Là. Ouais, voilà. Donc là, c'est l'auberge où on pourra se rendre avec la cure du foyer, comme je vous avais dit. En presque un instant. Peu importe où on se trouvera. Voilà, et puis voilà, après le reste, vous avez dit, il n'y a pas besoin de le péter. Donc ça, c'est une deuxième quête. Ouais, mais je dois faire quoi là en fait?
travail. Cette machine va tout changer. Ouais, mais Ah, d'accord. Bon, j'ai tout compris. Ok. Pour lui faire un enfant. Ok, oh, en fait. Début de cycle là. J'adore les OP, c'est abusé. Donc voilà. Alors. Oh là là là, comme ça lag à mort. Pourtant, mon PC il était. Il était chaud, mais là je l'ai mis en turbo et. Donc. Donc là, il y a plein de maîtres, Ici, on vend que du premier choix. De métiers. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus avant, avec mon guerrier, c'était, j'allais tout le temps ici pour faire réparer mon armure et pour, j'apprenais le. J'ai appris le métier à forgeron. J'ai aussi appris le métier mineur. Parce que ça va les deux ensemble, je crois. Mais pour l'instant, je sais pas encore à quoi ça sert, comment on les utilise le métier à. Je sais que ça m'a fait gagner de l'argent, je crois. Pendant les objets que je connais. Ah, ok, faut retourner à la capitainerie pour prendre Le rapport de situation est prêt. La quête. Bien le bonjour. Ok, donc le son comme le jeu, ça se fait. Alors, examiner la carte de reconnaissance à la capitainerie. Ah oui, ça je me rappelle aussi. Oh, le terrain s'est organisé en plusieurs grandes maisons. Elle faisait front commun sous le commandement de Taïlin Port-Vaillant, mais cela a changé après sa défaite à Terramor. C'est l'amiral suprême Catherine Port-Vaillant qui a pris sa place à la tête de l'armée et de la garde. Malgré nos efforts pour maintenir l'ordre, Kul Tiras subit une hausse des crimes, de la corruption et de la piraterie. Les gens perdent confiance en la famille Port-Vaillant. À l'ouest se trouve Drustvar, une région montagneuse fournissant l'essentiel du minerai du royaume et certains de nos guerriers les plus aguerris. La maison Malvois est depuis des siècles en fervent soutien des Port-Vaillants, mais leurs récentes absences en réunion du conseil ont donné cours à des rumeurs. Dans la vallée Chantorage, au nord, les augures de la famille Chantorage construisent et bénissent les navires de notre flotte légendaire. Mais la flotte n'a plus donné de nouvelles depuis des mois. Les augures se sont retirés dans leur cloître et semblent se désintéresser du sort de nos navires disparus. Nous devons réunifier les maisons sous la bannière des Port-Vaillants et localiser la flotte. Sinon, Kul Tiras s'effondrera avant même le début de la guerre. Ouais. Donc voilà, on va examiner là-bas, comme ils nous l'ont demandé. Et juste cela. Voilà, hop, ça c'est fait. Accepté, hop, et voilà. J'ai toujours rêvé d'aventure. Ah, donc je l'adore. Donc terminé. Ah, encore un fait. Et vague la galère. Je me suis on peut voir ici, hein, en bas à gauche. La rade de Tiragad. Voilà, donc en fait, c'est l'endroit. C'est l'endroit important de cette île en fait. Parce que c'est là où il y a toutes les quêtes à la rade de Tiragad.
C'est gigantesque, comme vous avez expliqué l'autre jour, et c'est là où tout se passe, l'action en fait. Ça, c'est vraiment l'endroit qui nous a intéressé le plus en fait, dans tout le jeu en fait. Voilà. Alors, donc, tirer sur le baril d'eau à la grappitonnerie avec le pistolet de Flynn. Ok. Donc là, il ne demande pas pour l'instant d'aller à la rade de tir à gamme, mais on s'en est tardé, je pense. Pour ça, je me prends du lag. Et ce n'était qu'une pincée. Imaginez quel dégât il pourrait faire avec une plus grande quantité. La prochaine est pour la vie, c'est plus SP. 1250 SP, ça c'est cool. J'ai vu assez de guerre. Allez voir, oui. Il a Melbourne. Au marché des Alizés pour prendre le bac et parler à gagner la station du coin de l'Est. Ok. Flynn, j'ai une autre tâche. Aide notre nouvel allié à découvrir où il est. C'est comme si c'était fait. Oh là là, comment ça lag, c'est abusé. Prépare-toi à organiser des rondes. Dis aux gardes d'être attentifs qui sortent de l'ordinaire. Un bralus. À vos ordres. Bon, alors là, je pense que c'est la dernière quête qu'on fera. Mon tigre s'est fait mal aussi, le pauvre. Parce qu'il a sauté en tant que moi et il m'a suivi dans le on a eu besoin de prendre. Donc là, voilà, il est dans l'eau avec moi. Ah, il nage aussi, le pingouin. Lol. Est-ce que je peux remonter là? Attends. Après il avance plus mon perso. Ah ouais, c'est bon. Et le tigre, comment il a fait? Il s'est téléporté quoi. Bien le bonjour. Non. Ah oui, c'est vrai, là je peux. Je peux aussi aller en barque à certains endroits. Donc là, il me demande d'aller là-bas. Donc voilà, donc on va y aller tranquillement. Donc voilà, on va découvrir la rade de Tiragad. Comme je vous ai expliqué, l'endroit le plus important du jeu, pour l'instant, en tout cas pour le jeu, moi je suis niveau 36 et je viens encore à la rade de Tiragad. Je crois que le level maximum c'est niveau 60. Ah là, le rajout est tombé alors. Comment ça penche? Bon, moi ça va vite, non? Donc là, on a quitté Boralus, hein, juste pour info. Là, on est vraiment. Voilà. Oh, c'est vrai, ça nous a téléporté. Bon. Donc, nous voici à la rade de Tiragad. En fait, c'est comme ça, voilà. Ah, mais j'ai presque oublié que j'avais une monture, quoi. Elle est tellement belle en plus, elle est magnifique. Ouais, c'est déjà dit dans la. Oh là là. Eh, mais mon familier, il peut aussi ramener sur la voiture. C'est cool.
C'est énorme, énorme. Ouais, on va voir. Mon tigre. Ah, du coup, là, il accélère, hein, le tigre. Oh, ouais, énorme, comment il va faire. Pourquoi il va vite? Et là, je me brûle même pas, tu sais, je suis sur le feu, je me brûle même pas. Donc, alors, ça fait combien de temps de vidéo là? Ouais, ça fait 15 secondes, 15 minutes, pardon. Ça fait un quart d'heure. Je pense que. Je sais pas, ça va dépendre si elle est longue ou pas, cette quête. Alors que si nous demande. Ouais, il y a encore deux. Lui, il a encore deux quêtes à proposer, ouais. Bon, ouais. Et lui, il a une quête à nous proposer. Ouais, non, la semaine, elles sont trop longues. Mais je pense qu'on va se laisser ici pour cette dernière vidéo de la journée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, voilà. Hein. Et puis, c'était Opérateur 93, on se dit à la prochaine, salut.